De Constantine, la Confédération générale des entreprises algériennes prend part au défi de l'heure, à savoir la nécessité de diversifier notre modèle économique. Il faut que nous aidions le gouvernement dans son combat économique. À travers cela, nous apportons notre soutien au peuple algérien. La conférence de presse organisée par la Confédération avait pour but de discuter du défi plus que nécessaire auquel l'Algérie fait face aujourd'hui. Nous relevons le défi pour essayer évidemment d'amener le pays vers des situations beaucoup plus importantes qui puissent permettre de prendre en charge les besoins nécessaires de toute la population. D'après le vice-président, une transition n'est possible qu'après une sérieuse réforme. On a besoin d'une réforme profonde. Il faut faire une réforme profonde. C'est-à-dire, et le gouvernement le sait, il le dit, il faut réformer. Depuis plus d'un an, nous parlons tourisme, agriculture et industrie et de la nécessité d'amorcer une transition. Se détacher de l'économie pétrolière est le premier pas à faire pour se sortir de cette situation. Le pétrole, ça suffit, il faut se déconnecter de cette problématique. Nous n'avons plus cette raison de continuer à compter sur notre ressource pétrolière. Nous devons compter sur notre force de travail, sur notre intelligence et sur les potentialités que nous avons dans ce pays. L'avant-projet de loi sur l'investissement pour améliorer l'attractivité de la législature sur l'investissement en faveur notamment des étrangers arrive à point nommé pour la Confédération et sera, selon cette dernière, un des vecteurs d'évolution.